OK. Monsieur Christ, je crois que vous nous écoutez là. De vos côtés, c'est bon? Oui, si ça ne se coupe pas, oui, je vous entends. D'accord. Je crois qu'on est déjà en direct. Donc, les gens sont déjà en train de nous visualiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est régler juste quelques derniers dispositifs, quelques problèmes techniques à ce niveau. Je suis en train de regarder à mon niveau ici. Parce que là, on est déjà. Voilà. Je crois que c'est excellent. Alors, chers internautes, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les abonnés de la page le TGV de l'Info. C'est vrai que ça fait longtemps que nous avons pu procéder à ce genre d'exercice. Et nous tenons déjà à nous excuser pour n'avoir pas d'ailleurs annoncé. C'était pour des raisons stratégiques que nous n'avons pas annoncé cette émission. Mais je crois que les gens auront le temps de pouvoir l'écouter et visualiser. Là, présentement, nous avons déjà. Alors, nous avons aujourd'hui décidé avec le consentement de notre frère compatriote Mamadou Idrissa, que tout le monde connaît. Cet ancien footballeur camerounais qui a évolué au sein de Lyon et d'Ottawa, de discuter, d'avoir un entretien avec un sujet qui fait les choux de la toile et des chaumières, notamment la dernière sortie du capitaine, de l'ancien capitaine de Lyon et actuellement le président de la FECACOUD, M. Samuel Kofis. Donc, ce soir, nous avons l'opportunité d'échanger, d'avoir un entretien avec M. Idrissa. Bonsoir, Maman Idrissa, bienvenue sur la page de TGV de l'Info. Bonsoir, le Cameroun. D'accord. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On vous voit avec le maillot de Lyon, ce fameux maillot que vous avez porté, servi pendant longtemps. Oui. Fois, quand je suis à la maison, quand il y a un match, même si ce n'est pas le Cameroun qui joue, je suis avec les équipements de l'équipe nationale. Donc, il n'y a plus rien, j'ai dit non. Donc, c'est juste. Je suis quand même à Lyon. D'accord. Alors, depuis Idrissa, la dernière sortie, on vous a vu une fois qu'il réagit, tu as. Était sur la plateforme Naya TV de notre grand frère Jean-Bruno Tagnin, où vous avez fait une sortie et qui a beaucoup fait les tollés, ça a beaucoup fait du buzz. Hein. Vous parliez des serpents à deux têtes. Alors, si je ne crois pas que c'est les serpents de M. Atalan dit, vous doutez pas que ce soit ces serpents dont vous parliez. Alors, qu'est-ce que M. Idrissa voulait dire? Ça fait longtemps qu'on n'a plus. Vous n'avez plus vu du côté du Cameroun, il faut dire que vous êtes aujourd'hui installé en Allemagne. Qu'est-ce que M. Idrissa voulait dire aujourd'hui? Ah ouais, mais c'est toujours pareil. Moi, je vous ai dit, je suis Camerounais, mais le Cameroun, vous-même, vous êtes au Cameroun, vous savez déjà ce qui se passe au Cameroun, puisque là, comme vous venez de dire que j'avais parlé avec Jean Bruno la dernière fois, il y a cela, je pense, 3 ans, j'ai dit le clair, je ne suis plus donné quelques interviews au Cameroun, donc. Et ce qui m'a plu, j'avais parlé de ça, de Rigobert, puisque c'est la seule joueur, moi, je préférais à cet homme d'être entraîneur, puisque je vois ce qui se passe avec lui. Je proposais, je dis, pourquoi ne pas donner entraîneur Rigobert son. Les gens parlaient déjà pour dire, ouais, lui, il parlait, il connaît quoi. Donc voilà, après 3 ans, mais ça me fait plaisir de voir maintenant c'est Rigobert qui est entraîneur. Mais puisqu'il y a 2 jours là, moi j'avais vu le match qui s'est passé et puis je vois le Cameroun comment déjà a bougé par rapport à toi, donc comme je vous ai dit. Donc voilà, et moi, je suis sûrement qu'il y a des vidéos qui sont partagées par TikTok et tout. Voilà, j'ai eu votre contact. Voilà. Vous m'avez invité pour me poser certaines questions. Là. Oui, effectivement, vous êtes footballeur, vous êtes un ancien footballeur, vous avez servi le drapeau camerounais et on vous connaît dans vos sans parler. Vous êtes quelqu'un qui ne gardez pas vos collants, vous êtes direct dans vos dits. Et sinon, nous avons vu un match qui a occupé récemment le Cameroun face au Burundi, son temps pour l'éliminatoire de la CAN 2023.
en Côte d'Ivoire. Et cette, bien que les Lions aient gagné par un score de 8 à 0, ça a suscité beaucoup de commentaires chez certaines personnes qui, de façon, il faut le dire clair, les gens n'ont pas apprécié la prestation des Lions. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe ce jour? Mais moi, c'est pourquoi je vous ai dit, le Cameroun, moi, je ne comprends pas. Je suis Camerounais, mais il y a des choses que, quand ça se passe au Cameroun, je ne comprends pas. Les gens qui s'aimaient à dire qu'ils ne sont pas contents, et pourtant qu'on a gagné 1-0, eux-là, il faut qu'ils aillent jouer. Non? Si c'était facile comme ça, là, si c'était facile comme ça, pour se mettre, pour dire de n'importe quoi aux gens, donc, eux là, il faut qu'ils aillent jouer là-bas. N'est-ce pas que voilà l'Égypte qui a perdu 2-0 et voilà la Côte d'Ivoire qui a fait un match nul qui est comme ça. Nous, on gagne, mais je ne comprends pas. Moi, ce qui m'a touché aussi de l'équipe, c'est que Samuel, moi, j'étais content qu'il est président de la FECAFOOT. Mais ce qu'il dit vraiment. C'est pas, ça n'a rien à faire avec l'équipe gagne. L'équipe gagne. Et vous n'êtes pas content. Quand tu gagnes, tu as 3 points. Quand tu perds, tu as 0 points. Mais quand tu gagnes, on n'est pas content. C'est ce que tu veux. Avec toi, vous gagnez la question. Il faut être vrai qu'on a vu, certes, on a gagné, mais la manière, on n'a pas vu l'esprit de domination des lions qu'on a souvent, on n'a pas vu le lion rugir, on a l'impression qu'ils étaient très suffisants sur le stade. Ah, donc vous êtes sorcier, alors vous voulez voir ce qu'il y a dans la tête de lion, c'est parce que c'est pourquoi vous voulez qu'il gagne plus. Allô? 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 Il a des problèmes de connexion. On attend qu'il revienne. Voilà, je suis là maintenant. Je vous attends. On attend qu'il revienne. Il va revenir. Il a des problèmes de connexion. Ah, OK. Il va revenir, donc je pense. Je suis en train de le contacter. Je me demande de poser des questions après des proches ou pas. Je ne suis pas dedans. Hein? Quelqu'un me demande de poser des questions à la place de Paul Choutard. Il va revenir. Ah, ok. Il va revenir. Il est où là?
C'est sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Le direct passe actuellement sur Facebook. Okay. Mais le Zoom, ça n'a pas passé. Non, c'est pas Zoom. Allô? Non? Oui. Il était revenu, donc il revient.
Oui, monsieur Bissou, bonsoir. J'ai eu un souci. Ouais, j'ai appris. Tu sais, ici au Cameroun, vous ne pouvez pas savoir ce qui vient. Non, mais pas seulement au Cameroun, C'est partout, très hein. compliqué avec vous. Oui, je crois que là maintenant, ça va, ça va. Bon, j'ai pas pu avoir le temps de. Il fallait que je me déplace en toute urgence parce qu'il y a eu un Ouais. problème de connexion avec Camtel et autres. Non, mais je crois que là maintenant, c'est bon. OK. Alors, je m'excuse des internautes qui nous écoutent. Bon, pour revenir sur le sujet, alors, nous avons suivi récemment la sortie du président de l'Africafoot, M. Samuel Etoffis, qui a suscité beaucoup de polémiques et beaucoup, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça fait du moins beaucoup d'encre et de salive. Il y a certains qui estiment qu'il a employé des propos qui n'étaient pas à leur place, et d'aucuns pensent qu'il était question, il était temps, il fallait réagir de la sorte parce que la prestation des Lions indomptables n'était pas bonne. Alors, vous, à votre niveau, en tant que footballeur, coéquipier d'Étoffis, vous avez joué avec lui à l'époque, il se dit que Monsieur Étoffis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'autorité, il aime le pouvoir. On a encore revu les déclarations de Denis Lavandi il y a, je crois, 10 ans. Vous qui avez cheminé avec Monsieur Etion, vous l'avez fait lorsqu'il a eu cette agression au joueur. J'ai pas bien compris le dernier, ce que vous disiez. Oui, j'ai demandé comment est-ce que vous appréciez, quel est le commentaire, comment vous avez trouvé la sortie, la réaction d'Etoffice dans la vidéo où il s'adressait au joueur dernièrement. Mais moi, je trouve que ce genre de confrontation, bon. D'ailleurs, d'abord, moi, je ne comprends pas. Après le match, la seule personne qui doit d'abord parler aux joueurs, c'est l'entraîneur. Puisqu'il y a un entraîneur pour ça. Il y a des choses, si ça ne va pas, ce n'est pas de parler aux gens qui viennent de finir le match. Mais ça veut dire que nous, moi, c'est que moi-même, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ces vidéos. Et moi, ce qui m'étonne déjà, lorsque même on était ensemble à l'équipe nationale, Samuel, c'est quelqu'un, on le connaît tous. Il a été un grand joueur, on connaît, on respecte tout. Mais moi, de ma façon, ici chez nous, là, on ne parlait pas après le match comme ça au vestiaire, aux joueurs. Puisque d'ailleurs, même d'abord, c'est faux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'interne. Quand tu sais que ça ne va pas, et moi je ne trouve pas que ça n'a pas allé, puisque les joueurs ont joué, ils ont gagné 1-0. Il y a certains pays comme l'Égypte qui a 8 trophées de la Coupe d'Afrique qui perdent avec une équipe sans nom, avec leurs tous les joueurs confondus. Mais il y a la Côte d'Ivoire qui fait match nul. Mais on a gagné 1-0, c'est à l'extérieur. Je ne trouve pas que c'est bon d'être comme ça pour dire aux gens quoi que ce soit, quoi, moi. On n'a pas. Dans ces cas-là, ils ne sont pas là pour raconter leurs histoires. Ça, c'est le football. Ce qui est passé est passé. Et quand tu veux être quelqu'un que les gens te respectent, arrêtons toutes ces polémiques-là. Allô? Oui, alors je vous écoute très bien. Donc, et moi, je n'ai pas bien aimé ça, puisque quand je vois Rigobert Song qui est derrière lui, qui est entraîneur, quand je vois Patrick Boma qui est derrière lui lorsqu'il parlait, quand je vois Bill Chateau qui est là et tout, et quelqu'un qui parle, tu sens que lui, il est fâché pour dire qu'il sait déjà ce qui lui a empêché de gagner la Coupe du Monde. Il n'avait pas un groupe. Et il avait de très grands joueurs. Mais attends, il faut pas manquer de respect aux gens. Donc l'équipe, c'est une équipe, ce n'est pas un seul joueur. Une équipe, c'est une équipe, ce n'est pas un seul joueur. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Samuel Eto'o. Hein? Le Cameroun que je te dis, le Cameroun que je te dis là, ce n'est pas Samuel Eto'o. Quand Bon, on vous pensez parlait du qu'il a manqué Cameroun, tellement quand on de parlait respect? du Cameroun, là, on parlait du Roger Milla. On ne connaît même pas qui est Eto'o.
Non, bah, vous ne pouvez pas quand même dire ça parce que Eto'o, on a vu à l'équipe, c'est vrai, sur le plan Non, mondial, non, non, quelqu'un non, qui non. a. Mon frère, quand tu me demandes quelque chose là, c'est moi qui te parle. Moi, je ne parle pas derrière les gens. D'accord, allez-y, allez-y. C'est juste Quand une tu me précision. demandes quelque chose là, moi, je te dis, j'ai vécu dans cette équipe nationale. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement Eto'o. Tout L'équipe à fait, c'est nationale n'a jamais joué avec un seul joueur. L'équipe nationale, c'est tous les joueurs qui viennent pour mouiller le maillot de leur nation, qui vont mourir pour ça. Moi qui te parle maintenant, là, j'ai été à l'équipe nationale. Combien de fois que nous, les Allemands, on a décidé de ne plus venir à l'équipe nationale? Moi, Choupo-Moting et ma team. C'est parce que Donc, c'est vous où? êtes un C'est serpent où? à deux têtes. Alors, quand, s'il faut comprendre, vous êtes un serpent à deux têtes aussi. Non, on ne voulait pas être serpent à deux têtes, puisqu'on a déjà vu ce qui s'est passé, puisque nous, on ne connaît pas ce que les gens font à l'équipe nationale, là, que tu vois, ils ne font pas ça dans leur club. À Ça veut l'équipe dire qu'ils nationale, viennent. on dit le repas, le déjeuner à 8h30 ou 9h30. On a entraînement à 10h. Les gens commencent déjà à être réveillés à 9h30 lorsque nous, on est au table, on attendait. Mais mon frère, quand tu me parles là, je ne suis pas quelqu'un qui est supporter quand l'équipe joue. Hein, je suis dans l'équipe. Je connais déjà tout ce qui se passe là. À fait, tout à Si fait. Vous avez les quelque gens chose. là restent derrière, ne veulent rien dire, c'est parce qu'ils ont peur de quoi. Moi, je m'en fous de leur connerie là. L'équipe nationale, quand nous, on venait à l'équipe nationale, c'est pour mouiller le maillot de l'équipe nationale, pour mouiller le maillot de notre pays. On n'est pas là pour l'argent. Moi, ce qui m'a énervé avec Samuel, je dis ça vrai, les choses comme ça, on ne dit pas. Puisque quand tu dis ce qui t'a empêché de gagner la Coupe du Monde, que tu n'avais pas de groupe, tu as des bons joueurs. Mais attends. Dis-nous pourquoi tu n'as pas gagné la Coupe du Monde. Nous, on veut savoir ça. Nous, qu'on était dans l'équipe ou bien les supporters là qui écoutent ça pour bien parler quand tu parlais là. Nous, on veut savoir pourquoi. Non, Toutes mais les bon, équipes qui vont d'une aller, part, toutes il a les dit qu'il équipes. connaît. Mais qui connaît, il faut qu'il nous dise ça. Je t'explique là. Moi, je ne suis pas dans votre connerie là. Je vous ai dit le Cameroun, vous êtes le serpent à deux têtes. Moi, je reste toujours comme ça. Je connais déjà tout ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi moi, je ne me mets pas dans votre histoire là. Je ne suis pas là quand je parle mal. On envoie quelqu'un de venir me donner 1 million et tout. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai l'argent. Je ne cherche pas ces conneries là. Je suis quelqu'un clair. J'ai été toujours clair avec tout le monde. C'est pourquoi l'équipe nationale, moi là, quand j'ouvre ma bouche, certains là, ils ne parlent même plus. Ils connaissent déjà. L'équipe nationale du Cameroun là, ce n'est pas une seule personne. C'est toute la nation. Nous sommes d'accord avec vous, Voilà. à ce niveau. Et quand tu es d'accord avec moi, tu dois savoir que il n'y a aucun joueur qui est venu faire ces polémiques là-bas. Ils sont venus pour jouer. Tu ne penses pas que tu joues seul dans le stade. L'équipe qu'ils ont joué avec eux, où nous tous, on a vu le match. On a vu le match. Donc, on dit quand l'homme propose, Dieu dispose. Quand Dieu propose, l'homme ne peut jamais disposer. Donc, arrêtez vos conneries là. Je ne comprends même pas votre problème, le Cameroun. Votre problème, c'est vous-même. Monsieur Igusto, est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de réagir, même si elle est critiquable, selon moi Mais aussi, sur certains pans, est-ce que vous ne voyez pas que c'était une manière de pousser les gens, les lions, à faire plus que ce qu'ils ont fait? Parce qu'on les connaît par le passé. On a par exemple vu le jeu qu'ils ont développé à Blida, mais l'autre jour, il faut être honnête de dire que la prestation n'était pas, elle était morne. je te pose la question toi-même. Je vous Lorsque écoute. Samuel était joueur, hein? Lorsque, si je vous ai dit, vous les Camerounais, vous-même, c'est vous-même, votre problème commence même sur vous et ça finira toujours par vous-même. Puisque moi, j'ai été à l'équipe nationale, si je ne sais même pas, si les gens disent que c'est Wadjo, si même, est-ce qu'il est Camerounais? Voilà, c'est bon, bien dit, je ne suis pas Camerounais. Mais laisse-moi vous dire que
L'équipe nationale, si j'ai été parmi certaines sélections, j'ai déjà vu l'équipe. Lui-même, il connaît déjà notre équipe, la Confédération 2003. Ça, c'est une équipe, tu n'as même pas besoin de parler. On est là pour mouiller le maillot de notre pays. On va mourir pour ça. Je te donne une phase. 2008, on est allé au Ghana. On était le même pool contre l'Égypte. Ils nous ont dépassé le premier match 4-0 ou c'est 4-1 comme ça. On s'est rencontrés en demi-finale. On a perdu 1-0. Après le match là, tous les joueurs savent déjà ce qu'ils ont fait. Et je suis la seule personne qui... nous dit. Non, je te dis que l'équipe, si moi là, je n'ouvre pas ma bouche. Ce qui est passé, est passé. Mais moi, ce qui me dérange, je dis, Samuel, il faut qu'il laisse les autres faire leur travail. Puisqu'il est président de la République, il ne peut pas nous donner ses commentaires. Le président de la République, pour le moment, il n'est pas président de la République. Peut-être que c'est dans ses projets, mais. Non, le président de la FECAFOOT. Mais mon frère, il a été le président de FECAFOOT. Il faut qu'il laisse les autres faire leur travail pour qu'ils commencent aussi. Ça, c'est aussi c'est leur problème. Moi, je te dis seulement, puisque moi, ce que j'ai vécu ici en Allemagne, une équipe a un président, un manager, un entraîneur et les encadrés. Et le président, on sait déjà. Il est président, il n'a même pas besoin de dire ses centages aux jeunes-là. Donc, l'équipe, ils ont gagné 1-0. Et quand tu vas faire quelque chose, ce n'est pas devant le caméra. Ce n'est pas devant. Ça, c'est de manquer du respect. Bon, il faut être honnête de dire que. On a vu. Le respect commence vers soi-même. Quand tu te respectes, on te respecte dehors. Quand tu ne te respectes pas, personne ne te respecte. Puisque après un match, on ne parlait pas aux joueurs comme ça. Lui, lorsqu'il jouait, si le président de la FECAFOOT qui était avant lorsqu'il jouait là, entrait au vestiaire comme ça, nous parlait comme ça là, il est le premier à se lever à dire non. On ne nous parlait pas comme ça. On n'est pas quand même. Monsieur Samuel est ton fils? Mais oui. Je te dis, il est le seul à dire que non. Donc, il se plaignait quand le président de la FECAFOOT. Mon frère, moi, je te dis les choses, ce n'est pas les choses que je te dis maintenant. Les choses depuis 2008-2009. Moi, j'ai connu tout ce qui s'est passé. Et quand il dit, je t'explique. Quand il dit, Samuel, quand il dit moi là. Moi, là, ce n'est pas le Cameroun. Nous, les Camerounais, nous, les joueurs. Quand vous parlez de l'équipe, ne parlez pas de moi, là. Donc, on ne travaille pas dans ton cinéma. Donc, ça, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas l'équipe nationale de Samuel Eto'o. Là, il faut qu'on divise des choses d'abord pour que ça aille dans sa place. Et les jeunes qui disent que, ouais, si vous n'êtes pas prêts, je vais jouer avec les jeunes. Oui. Amène les jeunes maintenant, même va prendre la Coupe du Monde comme c'est facile. Va les prendre. Tu peux aller prendre qui que tu veux. Si tu ne le prends pas, la Coupe du Monde, une équipe qui a besoin de discipline, une équipe qui a besoin d'entourage, d'avoir être accepté, une équipe qui joue bien, une équipe qui se connaît, une équipe qui font tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas après le match, on gagne 1-0, c'est comme si tu n'as jamais joué au foot. On vient te parler comme ça devant la télé, mais attends. Non, mais est-ce que vous pensez que la vidéo qui a été publiée, ça peut être quelqu'un d'autre qui a filmé pour publier à l'insu de Samuel Eto'o? Peut-être qu'il ne savait pas qu'on le filmait. Mon frère, si toi, peut-être tu ne connais pas Samuel, là, renseigne-toi, hein. Moi, j'ai été avec Samuel à l'équipe nationale. Donc, moi, personne ne peut rencontrer des choses. Moi, ce qui me fait mal, c'est le manque aux autres. Depuis là, je ne sais même pas. Il a fait maintenant 6 mois ou 5 mois président de la FECAFOOT.
Là, 5 mois. Depuis là, on ne parlait même pas de, on ne parlait même pas de Roger Miller, notre grand frère. On ne parlait même pas de Bel Joseph Antoine. On ne parlait même pas de Oman Big. On ne parlait même pas de Patrick Mboma. On ne parlait de personne. Donc, on fait que parler seulement de Eto, de l'équipe nationale, si tu veux. Et maintenant, même Choupo-Moting ne peut même pas rentrer. Moi, je ne comprends pas. C'est quelle polémique ça? C'est l'équipe nationale, c'est le football. Ça n'a rien à faire avec, avec je veux que tu viennes, je ne veux pas que tu viennes. Mais je ne comprends pas. Moi, c'est pourquoi, dès le début, je sais que je suis quelqu'un clair. Je ne peux pas être dans l'embouteillage si. Ça, c'est une embouteillage. C'est comme si tu vas aller au marché Mokolo. Ça te prend une minute quand tu es en moto, tu prends 1 heure. En moto, tu as 5 minutes. En taxi, tu as 1 heure. Donc, ça là, c'est pourquoi moi, j'ai une seule tête. Quand je te dis quelque chose, je n'ai rien à foutre avec les autres. Donc, voilà. Quand tu me demandes, moi, j'ai mes gars. Quand je te dis Rigobert, depuis qu'on l'a nommé, depuis que j'avais parlé, je l'ai seulement écrit. Quand il a le temps, on va s'écrire. Je l'ai seulement félicité. Et ce n'est pas quelqu'un quand on va toujours se téléphoner et tout, et tout, et tout. Moi, j'écrivais plutôt avec Alex, puisqu'on s'est changé d'Instagram, comment, tout ça, là, donc la famille et ça. Moi, je n'ai personne encore. OK, j'ai aussi Jérémy et Bill Chato. On s'écrit aussi de temps en temps. Il y a Soleil Parade et Calaremon. Oui, je te dis qu'on ne parlait plus de personne. Mais l'équipe, ça, ce n'est pas une seule personne. Moi, si on vous avait parlé la Coupe de Confédération 2003 qu'on avait joué lorsque j'ai quelqu'un, j'ai pris comme mon grand frère, comme Marc Bivier Foyer qui est décédé, c'est moi qui portais ces godasses. C'est moi qui portais ces godasses partout de gauche-droite. Après, lorsqu'il est décédé, moi, c'est de là que moi, j'ai arrêté. Je voulais rentrer. À ce temps-là, c'était Nguijol qui était notre truc. Et je lui ai demandé mon passeport. Je vais rentrer puisque je ne vais pas être ici. Mais la personne que j'ai perdue depuis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, voilà, voilà. Il y a trop de choses qui a parlé. Mais ce n'est pas seulement à cause des matchs. Moi, je ne comprends pas comment à cause d'un match comme ça, on se met à dire, à critiquer les joueurs. C'est comme si eux, ils sont venus. Mais je ne veux même pas parler de certaines choses, mon frère. Donc, quand tu parles, même tu sais, nous, les Camerounais, comme on est, on va aller tourner ça et tout. Moi, je suis clair. C'est pourquoi. Sinon, si je vais tourner là, je vais t'écrire ça au WhatsApp ou quelque part et tout, mais moi, je suis live. Je n'ai rien avec personne. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Quand il joue, même s'il veut que je sois supporter ou il ne veut même pas, je suis supporter parce que je suis Camerounais, j'ai déjà joué. Donc, vous je n'ai besoin de rien. Quand vous êtes séparés à deux têtes, vous n'êtes plus Camerounais, vous avez perdu le Cameroun, n'autorisé pas la double nationalité. Ça veut dire que vous êtes désormais allemand. Non, non, moi, je vais prendre. Moi, mais mon frère, j'ai 3 enfants. Je suis allemand depuis 2006. Hein? Mais vous êtes allemand depuis 2006. Moi, je n'ai pas... Dernièrement, vous avez dit que vous n'étiez pas séparé à deux têtes, je crois, lorsque vous vous entretenez avec M. Jean-Pierre. Je n'ai pas pris le passeport. Je n'ai pas pris le passeport. Je suis le seul qui a mon passeport camerounais. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai toujours mon passeport camerounais. Je ne voyage pas au Cameroun avec notre passeport ou quelque part, je n'ai que le passeport camerounais. Et voilà. Et je n'ai pas... Je suis, moi, quelqu'un qui est correct, direct. Mais ce que j'ai à vous dire, même si je dis quelque chose, ça ne change pas. Mais arrêtons quand même de nous faire chier à chaque fois que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Moi, ce qui m'est arrivé à l'équipe nationale, je vais écrire un book. Je vais écrire un book. Ce qui m'a arrivé à l'équipe nationale. Ouais. Avec tous les gens que maintenant, voilà, Jérémy est ambassadeur, ou c'est Patrick, et il y a Metomo, il y a Bill Chato, il y a Rigobert, il y a tout le monde que j'ai joué, ils ont eu leur poste et tout. Donc, et ils connaissent déjà tout ce que moi je dis maintenant là, puisque moi je m'en fous.
quand tu fais tes chichis là, prends ton couloir, n'arrive même pas dans mon trottoir, puisque c'est là où, ici là, c'est clair. Quand tu viens là, on te donne la bonne direction. Puisque là, moi, ce qui me fait mal, puisque maintenant, quelqu'un, tout le monde a la bouche du palais. Non, il faut, je veux, quand je lis les commentaires là, les gens ont l'impression de ne pas comprendre. Il faudrait qu'on précise que lorsqu'on parle de serpent à deux têtes, c'est un langage qui vous avez adapté pour dire des personnes qui ont un double passeport. C'est une expression que vous avez employée lorsque vous entretenez avec Jean-Bruno Tania d'Andaya Tibi. Donc, parce que je lis des commentaires, les personnes ne comprennent pas. Donc, c'est pour dire des personnes qui ont un double passeport. C'est vrai que c'est ça. C'est ça ce que vous vouliez préciser. Mais les gens changent les choses. Moi, je dis le Camerounais, c'est le serpent à deux têtes. Quelqu'un qui est avec toi comme ça, tu quittes, il commence déjà à parler de toi mal. Ce qui veut dire le passeport. Il dit, moi, j'aime mon pays, j'aime mon pays. Qui n'aime pas son pays? Mais tu as ton pays, tu pars prendre un autre passeport. C'est parce que ça va te donner la facilité d'aller à certains pays faciles. J'aime mon pays, j'aime mon pays, j'aime mon pays. C'est pas un crime d'avoir... Le monde aujourd'hui est devenu universel. C'est pas un crime d'avoir... C'est pas parce que si on a pris un passeport étranger, cela signifierait que on n'aime pas son pays. C'est juste, ça peut être pour des raisons peut-être d'affaires. Sur les vidéos de Samuel, il avait dit qu'il va donner sa vie. Même si c'est sa vie qu'il va donner, non? N'est-ce pas? Non, c'est une façon de dire qu'il aime son pays. L'amour qu'il exprime pour son pays. Explique-moi ça une façon. Quelle façon? De donner sa vie pour que les gens font quoi avec? Non, il ne faut pas dénaturer, il faut contextualiser, il faut intégrer. En fait, il exprimait pour dire que les lions doivent, c'est une façon d'exprimer son patriotisme, je pense bien. Et il demandait aux joueurs. La Coupe du Monde 2010, qu'on est allé, qu'on a fait des réunions plus que je pensais que moi, on m'a donné un nouveau travail au ministère, que je suis la réunion matin, midi, soir. Je suis devenu pas la réunion, je suis troublé, je ne sais même pas, je suis footballeur ou bien je suis quelqu'un de ministre. Pourquoi là-bas qu'on ne donne pas nos vies pour jouer au foot? On fait que des réunions, les gens attendent que l'argent et pourtant que nous, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On a gâté notre Coupe du Monde. Est-ce qu'on est allé là-bas pour faire des réunions? C'est là-bas qu'il faut donner ta vie pour ton peuple et pays, pour jouer même d'abord sans l'argent. Il ne faut pas nous parler chinois et pourtant qu'on parle français, mon frère. Bon, c'est votre point de vue que nous respectons tous. Mais alors, vous qui avez cheminé avec M. Samuel Eto'o au sein de l'équipe nationale, quels étaient vos rapports au sein de l'équipe avec les joueurs? Comment l'ambiance avec les différents joueurs et autres? Comment ça s'est passé? Mon frère, si je commence déjà à parler ici, les gens vont commencer à m'appeler du Cameroun. Là, moi, ce que je dis, il a fait sa palmarès. Chacun a sa façon de faire les choses. On connaît Samuel. Samuel, on le connaît. Samuel, c'est un petit frère. Il est mon petit frère. Donc là, un point entré. Tu vois, je n'aime pas dire des choses. Puisque moi, sur le vidéo qu'il avait parlé aux gens, il y a quelque chose qu'on ne se dit pas. Puisque on est quand même des grands gamins. On n'est pas de n'importe qui. Donc voilà, sur ça, il faut qu'on soit clair. Après un match, quand tu sais que chaque match, il y aura des vidéos, des caméras qui sont là, la télé et tout. Quand vous laissez le caméra entrer au vestiaire pour filmer, il y a des choses qu'on ne se dit pas, mon frère. Le respect, c'est avant tout. Il faut être responsable. Même si tu sais que tu vas taper quelqu'un quand il y a le caméra, le caméra ne manque jamais. Tu peux dire tout ce que tu veux. Le caméra là, ça c'est un témoin sec. Et ça monte ton visage, ça monte tous les mouvements que tu fais. Et les gens qui connaissent déjà ce que celui-là a à faire, et ça se voit, ça ne manque pas. Moi, ça ne me plaît pas.
que Samuel y manque du respect pour certains joueurs comme Rigobertson, le capitaine de l'équipe nationale. Moi, j'ai connu ce Rigobertson. Je n'ai pas connu Samuel. Mais vous avez joué avec Samuel et tout au sein de l'équipe nationale, monsieur Exist. Oui, j'ai joué avec lui, mais moi, mon capitaine, c'était Rigobertson. Bon, lorsque même si tu n'étais pas capitaine, mais c'était beaucoup plus. Rigobertson qui est capitaine. Est-ce que vous avez un problème particulier envers Samuel et tout fils? Je n'ai pas. Quelle ambiance? Est-ce que vous vous entendez? Vous vous parlez? Non. Parlez pourquoi? Parce que vous parlez, vous avez dit tout à l'heure, vous parliez souvent avec Bill Tchato, Ndita, Rigobert Song, à qui vous avez félicité. Est-ce que vous allez parfois, vous allez féliciter Samuel Eto'o pour son élection à l'Africa Foot? J'ai toujours cherché à l'appeler, il refuse de prendre le téléphone. Donc, qu'est-ce que moi, je ne suis pas derrière quelqu'un, je ne suis pas certain qui va donner les 500 000 ou les 200 000 qui vont se taire. Moi, je ne suis pas ce genre de joueur. S'il y a les joueurs qui ont joué à l'équipe nationale qui font ça, moi, je suis d'une autre catégorie, mon frère. Mais est-ce que vous l'avez salvé? J'ai cherché à l'appeler. Vous parlez, vous entendez? Quand vous étiez à l'équipe nationale, est-ce que vous vous compreniez, vous discutiez, il y avait une bonne ambiance entre vous? Non, si on joue, on joue le poker, on joue, on est sous la table. Mais moi, chacun, comme il a dit à l'équipe nationale, il n'avait pas de groupe. Donc, ça veut dire qu'on va dire quoi? Il a dit ce qui lui a empêché de prendre la Coupe du Monde, c'est parce qu'il a des pros grands joueurs, mais il n'a pas un groupe. Donc, tu vas dire que tu as un groupe avec lui? Et toi, a dit qu'il savait ce qui lui manquait. Mais il faut qu'il nous dise ça. Ce qui lui a manqué, c'est son manque de respect aux jeunes, aux joueurs. Vous voulez parler de quoi? Il méprisait les joueurs? Il manquait du respect aux joueurs. Non, ça c'est son problème. Moi, de mon côté, je connais déjà. Je ne me mets pas là pour dire de n'importe quoi. Mais moi, il faut qu'il arrête de dire des choses, puisque ce qui est passé, s'il dit qu'il sait déjà ce qui lui a empêché de gagner la Coupe du Monde. J'ai eu la chance d'être une fois pour la Coupe du Monde et il était là. Il faut qu'il nous dise ce qui s'est passé pour le dernier Coupe du Monde que j'étais avec lui. Il sait déjà ce qui lui a manqué. C'était en Afrique du Sud? Hein? En Afrique du Sud? Oui. Qu'est-ce qui lui a empêché de prendre la Coupe du Monde si? Donc, c'est la réunion qui nous envoie là, c'est ça qui nous a empêché de prendre ça. On a joué. Et pourtant qu'on était bien, on veut l'argent. Est-ce qu'ils nous ont demandé notre esprit, ce qu'on voulait? Quand on vient à l'équipe nationale, on ne vient pas pour l'argent, mon frère. C'est la Coupe du Monde qui se joue en Afrique du Sud? Qui vont... Mais quelle Coupe du Monde qu'on est allé faire des réunions, des réunions, des réunions, des réunions? Qu'est-ce qui s'est passé à cette Coupe du Monde, monsieur Grissou, entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, ce qui ne m'a pas plu, puisque je suis venu en quittant mon club, je suis venu pour jouer. Mmh. On est tous venus pour jouer. Et on discute pour l'argent, pour des joueurs. Je ne comprends pas. Que notre agent n'est pas venu, on ne joue pas, on ne s'entraîne pas. On ne s'est pas entraîné. On s'est entraîné deux fois à la Coupe du Monde. Et c'est le même monsieur maintenant qui se met au vestiaire. Non, mais c'est de son plein droit. Il veut dire aux gens autre chose. Hein? Mais c'est tout à fait normal que les gens réclament l'argent du moment où ils ne sont pas payés et que les dispositions exigent qu'on leur donne l'argent. Moi, je ne. Mais attends, il n'y a pas d'inconvénient. C'est normal. Tu n'as pas un contrat avec l'équipe nationale. L'équipe nationale, on t'appelle, tu dois être heureux de venir à l'équipe nationale de jouer. Moi, j'ai connu les gens à l'équipe nationale qui ont joué, qui n'ont pas eu l'argent. Moi, le match que j'ai joué là, comme je pars après le match, je rentre déjà. Est-ce que vous qui vous défendez, est-ce que quand vous donnez l'argent, vous refusez? Est-ce que vous refusez l'argent? Il y a même beaucoup de gens que je n'ai pas pris à l'équipe nationale, mon frère. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, tu viens là, qu'on te donne l'argent. C'est pas, vous êtes pas là, ça, vous m'entendez? J'ai pas compris.
Allô? Allô? Vous me suivez? Oui, là c'est bon. Allô? Je vous écoute plus là encore. Il doit avoir quelques problèmes de connexion encore. Encore, mais ton connexion là, tu es avec Samuel en ligne ou bien c'est quoi? Non, non, je crois que ça va. On a un souci. Vous savez, on souffre beaucoup ici. Si ce n'est pas la connexion, c'est l'eau. Si ce n'est pas l'eau, c'est la lumière. Si ce n'est pas la lumière. On a toujours des problèmes ici. Ce n'est pas évident. Vous voyez, voilà. C'est pas... N'oublie pas, je suis aussi Camerounais. Donc, c'est notre pays, on a fait comment? On ne peut que lire. On ne peut que lire. Oui, moi, je te disais seulement que moi, ce qui me fait mal, on ne dit pas des choses comme ça devant les caméras aux gens. Puisque, et puis aussi, ce qui fait chier, si vous ne venez pas, je serai content, je vais continuer avec les jeunes. Mais donc, ça veut dire que c'est lui qui appelle les joueurs à l'équipe nationale maintenant. Bon, oui, c'est cette partie qui n'a pas aussi, qui a suscité beaucoup de commentaires. Et c'est un peu la substituer comme l'entraîneur. Donc, bon, ça montre on pensait que même... depuis là aussi, c'est lui, puisqu'on a des problèmes toujours. On sort des joueurs sous la liste 30 minutes avant le match et tout ce qu'ils m'ont fait là-bas, l'équipe nationale et tout là. Donc, ça prouve que les choses, c'est toujours pareil. Puisque. On vous a fait quoi, monsieur Grissou? On vous a fait quoi, l'équipe nationale? Mais mon frère, depuis. Quand... Donc, tu ne connais pas ça? Non, c'est vous qui étiez là, je n'étais pas avec vous, je ne suis pas footballeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, le peuple camerounais veut savoir. Donc, quand je suis moi, nordiste, on ne me fait pas jouer, pourtant que sous les... En tout cas, là, ça s'est passé, ça, je ne veux même pas parler. Non, mais on a vu le moment, nous, les Alimbouka qui étaient là, qui ont joué. Mais vous-même, vous avez joué, peut-être on avait estimé que vos performances n'étaient pas au bon top. Donc, tu es sûr que c'est l'entraîneur qui a vu mon performance? C'est vous qui allez nous dire, je n'y étais pas, je ne sais pas. Voilà, non, mais moi, je ne parle pas de moi. Je ne parle, moi, je vais seulement défendre aux joueurs qui étaient là, qui sont aussi capables de dire des choses. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présidents. Non, il faut le respect. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, le respect est important. Puisque quand toi, tu ne respectes pas les autres ne te respectent pas. Quand tu ne te respectes pas, tu ne dois pas, tu ne peux pas avoir le respect dehors. Il y a des choses qui ne se disent pas quand la caméra est là. Tu vois. Et mais moi, je ne comprends pas, après un match comme celui-là, et que les choses sortent. Moi, ça me donne, je pense déjà, ce problème n'a pas été pour le match. Moi, je comprends bien. Le problème, si c'était longtemps qu'il voulait sortir ça, il a eu l'occasion maintenant de sortir ça après ce match-ci. Mais moi, c'est ce que je comprends pas. Alors, monsieur, nous sommes tenus par le temps. Alors, dites-nous, si monsieur et ton fils vous appelle pour venir l'accompagner dans son projet l'Afrique Afrique, comme on a vu Choutan Bernard, qui n'avait pas de mains mortes avec Ronald Choutan qui le félicite, qui est à ses côtés. Quelques liens. Si on vous appelle demain et Topis vous appelle de venir auprès de lui à l'Afrique Afrique, quelle sera votre réponse? Mais mon frère, tu m'as vu gérer ça, ma Choutan? Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. Je t'ai demandé si aujourd'hui vous tend la main de venir l'accompagner dans son projet pour développer le football camerounais à l'Afrique Afrique, qu'est-ce que ferez-vous? Quelle sera votre réponse? Non. Je ne viens pas. Puisque je n'ai pas besoin. Mais pourquoi, comment? Je n'ai pas besoin. Moi, je suis clair dans ma vie. Et pourtant que moi, j'ai ce que j'ai dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ces mots de tête. Quand j'ai le mot de tête, il faut que ça vienne pour le Dieu. Que c'est Dieu qui va me donner le mot de tête. Mais ce n'est pas... hein? Quand j'ai le mot de tête, il faut que ça soit pour le Dieu. Mais ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, puisque je ne peux pas. Moi, je suis clair. Pourquoi je vais venir à la fédération travailler? Quel projet même d'abord? Pour développer le football camerounais. Vous ne voulez pas que le football camerounais soit
sorte de. Soit, je voudrais dire, comme par exemple, on voit dans les grands clubs, vous ne voulez Ouais. pas que le football camerounais. Donc, c'est lui qui vient dire que le championnat ne se joue pas à Garoua. Donc, moi qui ai de Marwala, c'est moi qui va venir pour qu'on développe quelque chose. Hey. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation régionale ou communautaire parce que on a vu le meilleur buteur de la CAN, c'est quelqu'un du Nord. Il est capitaine même de l'équipe, si je ne me trompe pas. Notre compatriote Abaka Vincent. Bon, on a aussi vu des personnes, le jeune qui a été sélectionné à Cotobo. Pour concernant le championnat, certaines personnes expliquaient que c'est parce que le calendrier ne permettait pas, vu le temps. Et vu les distances, bon, c'est peut-être, c'est les raisons que son équipe, des gens qui l'entourent, ont donné comme pour expliquer cela. Mon frère, sur ces choses-là, moi, je ne suis pas là. J'ai ma vie et je serai toujours fier quand le football camerounais se développe et je serai content. Je suis très content, même si ça va changer, je sais, je suis 100%. Mais ça ne doit D'accord. pas changer comme ils ont commencé. La silence, c'est le remède de toutes les choses. Moi, ce que j'ai à dire, si je vais donner, si quelqu'un de là-bas qui va peut-être entendre mon petit message ici, la silence. D'accord. Pour finir, monsieur, qu'est-ce que Iris est devenu? Qu'est-ce que vous faites maintenant dans la vie? Oh, j'ai une société des habits de costumes là, et j'ai une société de jeunes. Social et les enfants sociaux, là, j'ai fait Une fondation. les entraînements. J'ai organisé ça ici en Allemagne. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Ça se passe toujours chaque année en septembre, tous les mois septembre et tout. Donc, on a commencé l'année dernière, l'année, ouais, on a commencé 2020, 2021, et là, 2022, ça va se passer aussi en septembre. Et j'ai 26 entraîneurs qui sont là, membres des équipes, et je suis aussi agent manager des joueurs. Et voilà, ma licence de FIFA va finir dans bientôt. J'espère que cela, je vais continuer, puisque là, j'ai aussi ici beaucoup de travail. C'est pourquoi je peux pas être au Cameroun pour le match. Bien sûr, je peux être là de temps en temps. Quand on va être invité, puisque nous, jusqu'à maintenant, on ne nous considère pas comme on était les Camerounais. Donc, certains clubs invitent les anciens joueurs. Moi, ce que je ne vois pas, ça n'a été jamais fait. Et pourtant que. En tout cas, on Bon, on espère espère que ça se passe bien. que ça risque bien. Alors, comment s'appelle votre marque de vêtements, votre métier de vêtements? Idrissou Mola Style. Ah, waouh! Il faudrait que vous nous envoyiez des pièces pour que le TGV essaie de voir pour promouvoir. Non, C'est ça un ne dérange Camerounais. pas. Je serais Dans fier tout de cas. vous accompagner dans ce projet. Oui, envoie-moi les coordonnées. Il faut les coordonnées, puisque ça ne dérange pas. On a D'accord. chaque semaine, on a les gens qui atterrissent à Yaoundé. On n'est pas au Cameroun, mais on connaît déjà ce qui se passe là-bas. D'accord, nous espérons que vos phrases de fin ont été écoutées quand on va vous inviter. Ça vient bientôt naturellement. Très certainement, écoutera ce live. Il y a beaucoup de personnes qui Inviter qui? l'accompagnent. Mon frère, Vous. non, Samuel, moi, je n'ai pas de problème avec lui, hein, mais moi, ce qu'il fait, ça me dérange. Je suis quelqu'un qui est correct. Il faut reconnaître que je crois que Samuel Eto'o est même en direct là. Il regarde cet entretien. Non, il faut reconnaître tout de même que chacun a sa façon de procéder. C'est votre opinion qu'on respecte. Et donc, c'est la démocratie. Il faut donner la parole aux gens, écouter leur version sans insultes, sans verser dans le dénigrement ou Non, autre. mais quand même, Vous mon frère, ne non. Il ne faut connaissez pas pas. de ces choses-là, de ce côté. Mon frère, on a tous joué en Europe. On connaît déjà, il a déjà connu les grands entraîneurs. Aucun entraîneur, après le match comme celui-là, qui peut entrer, qui fait les chama-chama. Non, les choses parlent doucement, puisque les jeunes qui sont venus là-bas, on voulait changer. Quand tu veux changer les choses, c'est un
sous 1. Monsieur Idrissou, est-ce qu'il est le seul à le faire? On a vu dans des pays où des entraîneurs, des présidents d'associations sont entrés dans les vestiaires. Par le passé, lorsqu'il avait félicité, encouragé, on a vu booster le moral des gars, pourquoi les gens ne sont pas pleins? Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce tollé, ce bruit, grand bruit que ça fait suite à la dernière sortie de Monsieur Etofis dernièrement en Tanzanie? C'est des propos qui sont sortis de sa bouche ou bien, selon vous, ça peut être quoi? Pour finir. J'ai pas compris le message. Je dis, selon vous, pourquoi c'est. Parce qu'on a plusieurs fois Etofis s'est habitué à ce genre de scène où il encourage, il va au vestiaire parler aux gens. On a vu pendant la CAN, même lors de l'éliminatoire pour la Coupe du Monde. On l'a Ouais. vu au vestiaire parler. Personne ne sait plus. Mais pour vous, pourquoi cette fois-ci, les gens, selon vous, pourquoi les gens, ça fait beaucoup parler lorsqu'il il était en Non, c'est parce Tanzanie? que lui-même, s'il reste tranquille, il va savoir ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Lui-même, Samuel même, c'est quelqu'un, on connaît comment il est. Ce qu'il a déjà eu, c'est ce que je viens de te dire. Ce que Dieu donne, tu as ça. Personne ne peut jamais arracher. Ça reste de ta vie. Mais, à son avis, ce n'est pas ce qu'il voulait dire aux jeunes là. Ce qu'il avait dit au Tanzanie où c'était où là. Ce n'est pas ça. Lui-même, il sait que ça, ce n'est pas bien. Il connaît. On n'a même pas besoin de lui dire ça. Mais ce qui m'a fait parler de ces choses, c'est parce qu'il a dit, il sait déjà ce qui lui a empêché de gagner la Coupe du Monde. Et là, ça m'a touché, c'est parce que je me rappelle la Coupe du Monde 2010. Donc, il faut que lui-même, il explique pourquoi il n'a pas gagné la Coupe du Monde 2010. Et c'est pourquoi, c'est parce que j'étais dans le groupe, donc on ne me manquait pas du respect. Donc, ça, Non, c'est du passé. ça, je vois, ça me manquait du respect. Sous ça, là, tout ce qui s'est passé avant moi, je ne suis pas là, je ne dis rien, mais quand je suis là, personne ne me manquait du respect. J'ai donné tout. C'est une manque de respect, monsieur Grissou. Mais Est-ce que vous avez des vérités que il vous n'avait cachez? pas un groupe. Non, il m'a dit qu'il a créé Dieu grand joueur, il n'a pas un groupe. Et il sait ce qui lui a manqué de gagner. J'étais dans le groupe. Donc, nous qui sommes avec lui là, nous sommes des Chabagnas. Est-ce que c'est la seule Coupe du Monde que monsieur est officiel? Peut-être ne parlez pas de celle-là. Je Mais, crois qu'il en a joué non, mon trois. frère, Je ne me trompe pas. si toi en Afrique, tu as une Coupe du Monde que tu organises, donc lui, il va être là-bas. Moi, je connais déjà la seule Coupe du Monde. Et Coupe du Monde, c'est le Coupe du Monde. Ce que c'est la neige qui change, ce n'est pas les mêmes années que ça se passe, mais la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'il vous dit lorsqu'il dit que vous n'êtes pas dans sa tête, lorsqu'il dit qu'il sait ce qui lui a manqué, peut-être qu'il s'en voulait lui-même. Une question de dire au joueur de faire une introspection, de se remettre en question. Peut-être Ouais, c'est ce qu'il donc voulait dire. j'étais joueur à ce temps-là. Il faut qu'il m'appelle pour m'expliquer ce qui lui a manqué. Moi, je vais lui dire ça en face, ce qui lui a manqué. Il nous regarde d'ailleurs, il vous écoute, il nous regarde là en direct. Et C'est vous son pouvez problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, il me connaît lui-même. Il me connaît lui-même. Moi, je lui dis des choses en face. Moi, je ne casse pas ces choses-là. Ce n'est pas avec moi. Moi, on ne me traite pas comme je suis rien. J'ai déjà eu tout ce que je veux dans ma vie. Je ne réclame rien à personne. Mais quand Vous ne voyez pas quelqu'un... que votre discours est un peu mégalomane et très suffisant. On n'est pas toujours. Non. Il y a des choses. Quand je donne ma vie et que après 5 ans après ou 10 ans après, quelqu'un qui a été avec nous, c'est parce que il est notre grand joueur et il dit quelque chose au vestiaire que j'avais des joueurs, je n'avais pas un bon groupe. Mais attends, si peut-être Est-ce qu'il a toi, dit ça? ça, hein? Je vais réécouter, je ne me souviens Mais il plus. a dit que j'avais des grands joueurs, mais je n'avais pas un groupe. J'ai le vidéo, on m'a envoyé ça. Donc, nous qui sommes là-bas, je demande que l'équipe nationale, là, tout le monde qui va être à l'équipe nationale, là, c'est l'équipe, hein? Ce n'est pas un groupe. Un groupe, là, c'est tout le monde. Donc, ouais, nous, on était allés là-bas, là, on est allés chercher quoi? Non, on ne me manquait pas du respect, mon frère. On ne me manquait pas du respect. Donc, c'est Bon, pour je le disais que pays, si c'est vous pour le avez. peuple camerounais. Écoute, Si c'est je, pour la si vous me nation. permettez de vous donner, si vous me permettez de vous donner un conseil, comme on le dit souvent, que le linge sale se lave en famille. Vous-même, vous lui avez reproché d'avoir dit des choses, devant caméra à Mondovision.
Il y a ce qu'on appelle souvent les cuisines internes. Je vois si je veux que vous appelez votre frère. Bon, malheureusement, vous avez dit qu'il ne vous prend pas au téléphone pour essayer de vous entendre. C'est le Cameroun qui gagne. On sera fiers de savoir que nos frères, vous avez tous valablement défendu le vert rouge Qui jaune. Nous, va nous sommes appeler qui? les Qui va pourquoi vous appeler n'appelez qui? pas votre frère? Est-ce que c'est ça pour Maxime? Si vous appelez une petite avec qui vous causez, si vous écrivez à Alexandre, vous écrivez à Rigobert pour le féliciter, pourquoi ne pas également le faire avec votre frère qui a juré d'ailleurs de rassembler le. Peut-être toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, lorsqu'il a été président, moi, j'ai posté sa photo, j'ai félicité. Tout le monde même a déjà vu ça. J'ai posté sa photo, je l'ai cherché au téléphone partout. J'ai mon frère qui est son garde du corps, qui est à un pied de lui. Tout ce qu'il fait, c'est mon frère-là qui est son garde du corps. Je l'ai appelé pour que je le félicite. Il n'a pas réagi jusqu'à maintenant. Tu penses que moi, je vais appeler quelqu'un au Cameroun? La seule personne que j'appelle au Cameroun, je t'ai dit comme Rigobert Song, Jérémy, Alex ou Bill ou Metomo ou Kala ou Souley, ils me répondent. Mais je ne passe pas mon temps à chercher quelqu'un qui n'a même pas besoin de te parler. Je sais qu'il n'a pas besoin de me parler, il n'a pas besoin de me dire ça. Moi, je suis quelqu'un, je ne cours pas derrière quelqu'un. C'est juste pour le féliciter. Bravo, félicitations. J'ai posté sa photo. Tout le monde a déjà vu. Je vais chercher sur mon Instagram. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce qui m'a touché, moi, on ne me touche pas. Tu me touches là, je te mets dans ta direction. Puisqu'il dit, je sais ce qui m'a manqué, que je n'ai pas pris la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que nous, là, on n'était rien depuis. Bon, c'est pas moi, j'ai pas nous n'avons pas compris ça comme ça. On n'avait Voilà, pas. donc vous comprenez autrement. Moi, je comprends quand je suis dans le groupe. Quand tu perds, c'est l'équipe qui perd. Ce n'est pas un joueur qui perd. C'est tout le Cameroun. Si le Cameroun perdait le match qu'on a joué, c'est qui perd? C'est l'équipe nationale. C'est tout le Cameroun, le supporter tout. Et quand l'équipe gagne, c'est tout le Cameroun qui gagne. Tout à fait, Donc tout à fait. voilà, laissons les choses qui n'ont rien à faire là dedans. Moi, on était là. Donc, s'ils savaient pourquoi on n'a pas gagné la Coupe du Monde, je te reviens 2003. On était à la Confédération, non? On avait tout. On a perdu un grand frère comme Marc Vivien Foé. On était en finale. On voulait rentrer tous. On a décidé de jouer, de gagner la finale. Donc, il peut me dire pourquoi on n'a pas gagné la finale là. C'est parce qu'il connaît. Mais attends, on ne Vous me pouvez me raconte dire. pas n'importe quoi. Vous pouvez me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Pourquoi? non, c'est lui qui sait déjà. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est à lui de nous expliquer alors. Comme lui, il connaît déjà tout ce qui se passe, c'est pourquoi il n'a pas gagné ça, il n'a pas gagné ça avec l'équipe. Donc, le rapproche est à nous, les joueurs, c'est parce qu'il n'a pas un très bon groupe. Nous, là, on est des moutons qui suent seulement. Alors nous n'allons pas. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, Monsieur Egrissou. Nous Voilà. vous remercions Merci. pour avoir accepté cette invitation. Et nous Merci. reviendrons plus tard pour parler de vos activités, parce que vous vous souvenez, on a un projet lié Oui. effectivement à vos vêtements que vous avez en ligne. Il faut dire que nous saluons au passage Mola System, avec qui vous avez mis sur pied ce grand projet de vêtements. Mola System, c'est ce jeune Camerounais qui réside à Paris, aussi fait dans la promotion. Il faut dire que Mola System, d'ailleurs, a de très bons costumes, que j'en ai dégusté d'ailleurs. Donc, très prochainement, une fois de plus, merci beaucoup pour cet entretien et passez une excellente soirée, Monsieur Igrissou. Je profite aussi pour dire à ceux qui nous écoutent qu'on s'excuse pour la qualité de l'émission parce qu'il y a eu des perturbations qui ne dépendaient pas de nous. Il a fallu qu'on fasse des pieds et des mains pour pouvoir enregistrer. Donc, merci pour votre patience et merci à tous ceux qui ont écouté. Et merci également à Samuel Eto'o qui était en direct. Bon, monsieur Grissou, bonne soirée, Mais bon il est week-end. entré, pourquoi il n'est pas dans la chaîne pour que je lui dise en face. Non, nous espérons très prochainement, peut-être que nous aurons peut-être Voilà. étoffé sur Voilà. cette page pour répondre à certaines questions. Donc, monsieur Grissou, encore une fois de plus, au revoir, bon Merci. week-end. Merci.